Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokunzi. Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique. Vous le savez, nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité politique et nous avons un invité sur le plateau pour tenter d'en parler avec lui, notre invité donnant donc son point de vue par rapport aux grandes questions d'actualité. Dans le pays, l'actualité reste dominée par cette affaire des rémunérations des députés nationaux. Touche-t-il combien? J'ai entendu 21 000. Il y en a qui disent c'est 18 000. J'ai suivi Mamba qui parlait de 7 000. J'en ai suivi qui me parle de 11 000. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement par rapport à cette affaire des salaires des députés nationaux? Nous en parlons dans cette émission. On reviendra également avec un grand dossier sur les élections, le processus électoral, après la feuille de route publiée récemment par la Commission électorale nationale indépendante. Un invité en direct avec nous de Kinshasa, c'est Monsieur Papi Tamba. Monsieur Tamba, bonjour. Bonjour, Monsieur Perrault. J'ai une grande émotion de faire cette émission avec vous en ligne parce que j'étais plutôt habitué à vous voir en face et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, je dois commencer par vous exprimer mon soutien, mon encouragement et vous dire que pour le pays, ne baissez pas les bras. Donc, la situation que vous vivez, j'ai fait une émission avec vous sans savoir où est-ce que vous êtes. C'est un peu compliqué, mais bon. C'est ça un peu les régimes, l'actuel régime, c'est la situation que nous impose l'actuel régime. Merci beaucoup de votre soutien. Je rappelle que vous êtes cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD en sigle, parti cher à Joseph Kabila. Vous parlez justement de la situation du pays. Je l'ai relayé hier, nous avons appris que votre collègue, votre camarade de parti, Jimmy Kitenge, serait dans des conditions assez déplorables. Il est malade, semble-t-il, à la prison de Makala. Est-ce que vous avez les informations sur l'évolution de l'état de santé de M. Jimmy Kitenge? Vous savez, ce qui se passe pour Jimmy Kitenge, c'est une honte pour notre pays. C'est la preuve d'une extrême méchanceté de la part de nos amis. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Ils ont aujourd'hui le pouvoir de faire et ils veulent se donner aussi le pouvoir de vouloir. On essaie d'observer, mais nous savons que tout reste au niveau des hommes. Parce qu'au-dessus de tout homme, il y a un Dieu qui lui aussi exerce son pouvoir. Jimmy Kitenge, un jeune de moins de 40 ans, qui subit un traitement et une situation inhumaine, juste parce que les pauvres a seulement eu le courage de ses opinions sans offenser qui que ce soit. Vous savez, moi, quand je vois toutes ces situations, ça me met hors de moi. Pourquoi ça me met hors de moi? Parce que je suis l'un, s'il ne faut pas dire le premier, communicant du FCC, de la MP à l'époque pour du FCC, qui était présent dans les débats de télévision à l'époque, avec l'opposition de l'époque qui, aujourd'hui, ils ont muté vers le pouvoir. Je peux vous le dire que je n'ai jamais vu et enregistré ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Moi, il n'y a pas un seul opposant qui était habitué des médias, qui était habitué des plateaux de télé à l'époque avec qui je n'ai pas débattu. Je connais la dureté de leur langage. Il n'était pas très éloigné de moi, il le disait en face de moi. Je connais leurs propos. Mais je peux vous le dire, que même moi, si je voyais pour leurs opinions un opposant être interpellé, j'allais moi aussi m'interposer. Pas m'interposer, mais j'allais au moins exprimer une voix contraire. Mais je ne l'ai jamais vu et je ne pouvais pas l'exprimer. Aujourd'hui, non pas seulement que Jimmy Kitenge est détenu dans des conditions très inhumaines et puis une détention qui n'est justifiée, qui ne repose sur rien, mais des gens avec qui il avait l'habitude de débattre sur les plateaux de télévision qui sont du côté du pouvoir.
semblent même cautionner cette situation. Mais ils oublient ça vous choque d'entendre les communicateurs du pouvoir justifier l'arrestation. J'ai entendu Emmanuel Kibambe, par exemple, expliquer que il a mis la sécurité du pays en danger en parlant d'un projet d'assassinat contre Kabila, contre plutôt Madame Olive Limbe. J'en ai entendu comme ça à Smalto. La plupart des gens avec qui il était dans les médias ont justifié cela. Ils disent que l'État doit faire son travail, Papi Tamba. Non, vous savez, ils ont tort. Ce sont des gens qui vivent au présent, qui ont oublié le passé, mais qui ne connaissent rien, c'est l'avenir. Moi, quand j'essaie de m'exprimer devant vous, je ne m'exprime pas comme un citoyen ordinaire. Par rapport à ça, à cette matière précise de ce qui est des débats télévisés, je suis un homme expérimenté, je suis un homme qui a un passé, et je suis un homme aussi qui peut essayer de deviner un peu ce que peut être le futur. J'ai dit qu'ils ont tort parce qu'avant eux, nous étions à leur place. Mais notre comportement n'était pas celui qu'ils essaient d'afficher aujourd'hui. Lorsque l'un de nous pouvait même être inquiété en étant l'opposition, il pouvait compter sur notre soutien. Parce que lorsqu'on est des habitués de la télévision, qu'on soit du pouvoir ou qu'on soit de l'opposition, on constitue, on forme une famille. Vous êtes une famille et cette famille vous permet de tisser des relations qui vont au-delà des clivages politiques. C'est comme ça que jusqu'à ce jour, je suis en bon terme avec des gens tels que Billy Kambale, que j'ai sali, qui est devenu secrétaire général de son parti, c'était un co-débatteur. On a tissé de véritables relations d'amitié. Et il y en a plusieurs qui sont dans ce genre de situation. Ils ont tort de vouloir défendre une situation qui n'est pas défendable. Parce que nous avons entendu ou écouté des propos qui sont plus graves par le passé, mais nous n'avons pas vu les traitements réservés à nos co-débatteurs de l'époque, comme cela est le cas aujourd'hui. Non, mais papi, est-ce que ça, ce n'est pas avoir la mémoire courte? C'est pas sous Kabila que Mike Mukebayi a été arrêté pour ses opinions. C'est pas sous Kabila que Franck Diongo a été arrêté. Est-ce que ce n'est pas sous Kabila que Jean-Claude Muyambo a été arrêté? Ce n'est pas sous Kabila que Floribert Chebeya et Fidel Bazana ont été assassinés. Qui a assassiné Arma Tungulu? Tout ça, c'est des faits qu'on reprochait sous Kabila. Vous présentez votre régime comme un régime, c'est alors qu'on sait qu'en matière de violation des droits de l'homme, Kabila a occupé quand même le pôle position en Afrique. Vous savez, par rapport à tous les cas que vous recensez, il n'y a même pas un seul où on peut dire que ça concerne les régimes de Kabila ou qui peut, dans une certaine mesure, établir la responsabilité du régime Kabila. Pas un seul. Sauf que le régime Kabila a été, je parle de l'époque, victime d'une grande diabolisation où il y avait une jonction de diabolisation entre certains partis politiques, pas des moindres, de l'opposition au pays, et plus une grosse machine installée au niveau de la communauté internationale. Quelqu'un comme Chebeya, par exemple, le président Joseph Kabila ne l'a jamais vu, il ne l'a jamais rencontré dans sa vie, pendant qu'il était en vie. Et je ne sais pas, qu'est-ce que Chebeya aurait dit ou aurait fait qui pouvait apporter atteinte au pouvoir du président Joseph Kabila? Il avait des informations qu'il voulait relayer pour empêcher l'arrivée du roi belge. Non, ce n'est pas les informations. Il s'organisait pour empêcher au roi belge de venir à la célébration du 50e anniversaire en 2010. C'est comme ça que Kabila a décidé de les aiguiller, selon les infos. Non, vous savez, ça c'est encore une autre fausseté historique, parce que vous faites bien d'évoquer ces sujets. Avant que le roi belge ne vienne ici, on avait demandé à deux médecins légistes néerlandais, c'est-à-dire hollandais, de venir ici en RDC, pratiquer l'autopsie, et après l'autopsie, qu'on puisse voir dans quelle mesure, après l'autopsie maintenant, évaluer les résultats, et c'est ces résultats-là qui ont permis au roi belge de prendre une décision pour venir au pays. Mais par rapport au dossier Chebeya, vous êtes journaliste, M. Perrault. Vous vous distinguez de plus en plus dans vos investigations. Vous savez très bien que le dossier Chebeya est passé à la télévision en direct, c'est CCTV. Le procès a fait environ 40 jours. Et il y a des condamnés dans ces dossiers, dont certains étaient des hauts gradés de la police, des colonels.
Vous pensez que ces gens-là, qui ont été condamnés depuis cette époque, ils vont continuer à protéger un innocent pour dire que voilà, cet innocent vaut plus que nos femmes, nos enfants, surtout qui n'est plus président de la République. On a essayé d'instrumentaliser ce dossier sur le plan politique avec l'arrivée de ces fameux messieurs qui étaient... Paul Milamboué qui a dit que c'est Kabila qui a donné l'ordre. Au Sénégal. Paul Milamboué. C'est le ministère public. Voilà, c'est le ministère public qui a porté en touche ses arguments pour dire qu'il n'était pas crédible. On a tenté d'instrumentaliser Mme Chebeya. Et encore une fois de plus, le tribunal a estimé qu'il n'y avait même pas matière à entendre le président Kabila parce que rien ne l'incrimine par rapport à ces dossiers-là. Lorsqu'on parle d'une mort d'homme, vous devez savoir que nous sommes d'abord des humains. Chebeya est mort et il ne devait pas l'être. Mais la mort d'homme ne devrait pas impliquer des innocents dans la manière de concevoir les choses. Pas du tout. S'il faut condamner, il faut condamner ceux qui ont été des coupables. Et dans ce dossier Chebeya, il y a des coupables. Et je peux vous parler de tous les autres différents dossiers. Mais ça a été exploité et utilisé sciemment contre le président Kabila dans le cadre de la propagande politique. Mais vous savez, les temps et les meilleurs alliés. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre non plus des spéculations, mais des faits. Vous, M. Perrault, vous êtes un exemple précis. Vous êtes aujourd'hui en exil. Je ne vais pas aujourd'hui évoquer certains cas peut-être qui peuvent être sujets d'analyse. Là, je suis en train de parler de vous. Je vous ai au téléphone, M. Perrault. C'est la première fois dans ma vie de faire une émission avec vous au téléphone. C'est la première fois. Et je ne sais même pas quelle est devenue votre chaîne. Qu'est-ce qui est devenu votre chaîne à Bandai? Est-ce que ça a été saccagé? Ça, je ne le sais même pas. Non, mais si vous voulez que je vous informe, ça a été saccagé. La police est arrivée, il a cassé les portes, ils ont tout pris. Là-bas, j'ai tout perdu. Bon, voilà. L'information est là. Alors, on m'a dit que les gens... Vous parlez... Les services militaires ont tout cassé. Oui. On va parler, par exemple, des journalistes engagés. Ils ont existé dans ces pays. Les Tambou, mais tout ça, ils ont quand même été en prison. Les Peter Tchani ont été en prison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous... Moi, je suis totalement d'accord avec vous sur le plan, peut-être que vous condamnez ce qui se passe aujourd'hui. Mais en vous présentant comme saint et en présentant la situation d'aujourd'hui comme une situation diabolique, moi, je me dis, c'est là qu'il y a un peu une malhonnêteté de votre part. Mais non, mais c'est Perrault. Mais c'est les Tambou, ils sont avec Moïcas, à l'Union Sacrée aujourd'hui. Ils peuvent s'expliquer. Ils n'ont qu'à s'expliquer parce que la plainte venait, la plainte était clairement, c'est-à-dire la personne qui avait porté la plainte est clairement identifiée. Pareil pour Mike Mukebaye, c'est un problème avec Monsemo. Pareil pour Peter Tchani. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui, on ne sait pas trop qui est le plaignant, mais qui sont emmerdés par la police. Vous parlez de Jimmy Kitenge. Qui est le plaignant? Qui a porté plainte contre Jimmy Mukebaye? Qu'on le sache si c'est qui? Barnabé. Qui a porté plainte contre Barnabé? Henri Magie, qui a porté plainte? Et la liste est très longue. Nous avons des Momo Moulapou. Il y en a plusieurs. S'il n'y a pas de plaignant, ça veut seulement dire que c'est l'État qui est le plaignant. Et si l'État est le plaignant, alors dans ces cas, posez-vous la question si des ramifications politiques par rapport à certains dossiers ou par rapport à tous ces différents dossiers. C'est juste ça, M. Perrault. On a été victime des mensonges. C'est vrai qu'on a dit que c'est Kabila qui a tué X, Y, Z, ainsi de suite. N'essaierons-nous pas en droit aujourd'hui d'emprunter la même démarche pour parler du général Kayimbi, pour parler de plusieurs autres personnes qui, aujourd'hui, sous ces régimes, sont décédées? En tout cas, je pense que nous, dans notre manière de faire les choses, nous voyons les choses autrement. Sinon... Allô? Allez-y, je vous entends. Sinon? Ouais. Sinon, si on était comme eux, on allait aussi les accuser de certaines choses. Parlons justement de cette manière de faire. J'ai suivi certains de vos détracteurs dire que vous êtes une opposition faible. Le président de la République lui-même aussi a relayé ça. Est-ce que ce n'est pas votre faiblesse, votre naïveté, à l'incapacité que vous avez à montrer les dents, qui fait peut-être qu'aujourd'hui, certains de vos militants, certains de vos cadres soient... Je veux dire, entre guillemets, maltraité judiciairement comme ils sont en train de le faire. Pourquoi le parti est-il resté autant silencieux sur le cas Henri Magie, les cas Momo, le cas Jimmy Kitenge aujourd'hui? Est-ce que vous êtes une opposition faible, comme le dit M. Tshisekedi? Vous avez peur d'appeler, par exemple, de faire parler la rue parce que le peuple n'est pas avec vous? Non, vous savez,
Tout est dans la conception et dans la manière de faire. Les présidents de la République, d'abord, ne pouvaient pas sortir ce genre de propos, ne serait-ce pas élégance, parce que la première personne à respecter l'opposition devait d'abord être lui, en tant que président de la République. Maintenant, quand il dit que l'opposition est faible, de quelle faiblesse parlait-il? Faiblesse des injures, faiblesse de brûler, faiblesse de taper sur les gens, faiblesse de causer des troubles, faiblesse de concevoir des cocktails Molotov pour les balancer sur les policiers, faiblesse de quoi? Il doit essayer peut-être de nous éclaircir pour qu'on les comprenne. Si c'est ça, et si c'est de ça dont il parle, pour parler de notre faiblesse, je serai d'accord avec lui. Parce que ce n'est pas notre manière de faire les choses. Maintenant, par contre, si pour lui faiblesse, c'est au niveau des actions qui ne portent pas de fruits, là, il a tort. Là, il a tort parce que, je peux vous le dire, M. Perrault, nous sommes une opposition certes consciente, mais une opposition intelligente qui fait qu'aujourd'hui, en un seul mandat, alors que le mandat n'est pas, même pas encore purgé, mais en un seul mandat, un président de la République est déjà vu par l'opinion comme étant le pire de tous les présidents que la République a connus. En un seul mandat, je dis bien, vérifié en dehors de Kassavubu, on ne connaît pas cette époque, on n'y a pas vécu, mais de Mobutu à Laurent Désiré Kabila, en dehors de Laurent Désiré Kabila qui a aussi perdu sa vie, et avec Joseph Kabila, on n'a pas un cas similaire. Aujourd'hui, Fatih arrive au pouvoir en janvier 2019. Mais je peux vous le dire que nous sommes en 2022. Tous les Congolais sont au courant de ces méfaits. Ce n'est pas parce que c'est lui qui les présente aux Congolais. Si les Congolais aujourd'hui n'ont plus envie de voter ces présidents-là en 2023, si les Congolais aujourd'hui les vomissent, c'est parce qu'il y a une opposition qui travaille. Parce que l'opposition ne doit pas être une opposition pour casser. C'est une opposition pour sensibiliser les peuples et les amener à décider. C'est ce qui est important. Ils peuvent dire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils peuvent, ils veulent plutôt, mais avec leur pratique, ils ont fait 37 ans d'opposition. J'ai dit bien avec leur pratique, ils ont fait 37 ans d'opposition. Nous, on ne fera pas 37 ans d'opposition avec ceux qui considèrent comme étant une opposition faible. Donc nous ne sommes pas là pour casser, mais je peux vous le dire que notre voix, non pas seulement qu'elle est entendue, mais sera encore de plus en plus entendue, surtout en 2023. Aujourd'hui, si l'ONU tente de récupérer le processus électoral à RDC, on attend la position du Conseil de sécurité, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé pour ça. Parce que pendant qu'eux, ils s'attendaient à ce qu'en investissant irrégulièrement et illégalement, Denis Kadima Kazadi, que nous puissions, nous, faire des actions inutiles. Des actions inutiles, c'est quoi? C'est d'aller faire des manifestations devant les palais. Le peuple, après, la police va venir pour réprimer, aider, toujours, on passe à autre chose, et plus personne ne va parler de cette situation. Vous attendez sur ces terrains-là. Nous, ces terrains-là, nous ne les connaissons pas. Nous sommes sur le terrain de l'efficacité. Aujourd'hui, Denis Kadima Kazadi est en mal de positionnement. Vous n'organisez pas les élections, bien sûr, en étant un pays souverain, mais en vous excluant du concert des nations. C'est impossible. Le monde aujourd'hui, c'est un tout, nous sommes dans la globalisation. Et les élections sont aussi surveillées parce que il ne faudrait pas seulement publier un candidat président de la République, mais faudrait-il encore que cela soit accepté, non pas seulement par les pays tiers, mais par la communauté internationale. Maintenant, on n'a pas attendu des élections chaotiques avant de présenter les choses de cette manière-là devant des gens que considèrent aujourd'hui comme étant les partenaires de cette opposition qui est très faible. Nous avons fait un travail en amont. On l'a fait avant. Et c'est la première fois dans notre pays qu'il va y avoir un processus électoral qui sera aussi, je dis bien, aussi surveillé avec une projection de se dire qu'on va rejeter les si les résultats sont bâclés, mais parce qu'il y a des gens qui ont travaillé. Nous avons notre approche, nous avons notre façon de faire les choses. Nous ne sommes pas. Spectacle, nous ne sommes pas là pour brûler. Allô?
On vous écoute donc. On comprend que l'opposition n'est pas faible. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je vous rappelle que notre invité du jour, c'est donc Monsieur Papi Tamba, qui est cadre du Parti du Peuple pour la Réconciliation et la Démocratie. Avec lui, on est en train de faire le tour d'horizon de l'actualité. Monsieur Tamba, l'actualité dans le pays, c'est aussi cette affaire des rémunérations des députés nationaux. J'entends la polémique et les sujets très croustillants au pays. 21 000, 17 000, 7 000, 11 000, les chiffres... il n'y a aucune unanimité autour des chiffres. Vous êtes un acteur politique du pays, vous êtes aussi introduit. Quelles sont les informations à votre disposition? Combien touche un député national? Vous savez, M. Pierrot, pour ces dossiers précis, je dois très honnêtement commencer par vous remercier parce que vous ne vous rendez pas compte comment votre action a réveillé l'opinion sur les plans internes. C'est vrai. Et le président Martin Fayoulou est venu encore politiser l'affaire, c'est-à-dire rendre encore l'affaire plus politique. Mais vous étiez à l'origine de cette dénonciation. Mais moi, dans mes éléments de réponse, je vais essayer d'aller au-delà. Cette situation n'est pas le produit du hasard. Ça ne vient pas du hasard. Cette situation vient de quelque part. Cette situation a été validée par certaines personnes qui se plaignent aujourd'hui. Permettez-moi de vous lancer une petite pique. Vous pouvez aussi aujourd'hui être parmi les personnes qui plaignent aujourd'hui pour une situation que vous avez tolérée, que vous avez validée à l'époque. Tout commence par les changements de majorité en cours des mandats électifs, en cours des mandats législatifs. Tout commence par là. Le Parlement a été acheté. La majorité, j'ai dit. Elle a été achetée aujourd'hui. On connaît le processus. On a des témoignages des députés qui même ont avancé certaines sommes. Papa Molière nous suit. Il a même parlé de 15 000 dollars. Quand on parlait de ça, de l'argent qui avait circulé, certaines personnes l'avaient trouvé normal. Certaines personnes, pour des raisons qui leur appartiennent, pensaient que c'était une manière de régler des comptes au FCC, au président Joseph Kabila, pour qu'il puisse perdre la majorité et les pouvoirs, je ne sais pas motivé par quel intérêt, ça c'est leur problème. Aujourd'hui, ces personnes se rendent compte que la situation devient pire que ce qu'elle était avant. Ils doivent commencer par faire les meilleurs coups pour le peuple congolais. Parce qu'il n'y a plus rien à espérer dans ces parlements. Chaque chambre parlementaire a trois missions par essence. Les votes des lois, zéro. Au niveau de cette assemblée parlementaire, le contrôle parlementaire, quelques cas, juste pour prendre de l'argent. C'est-à-dire, on voit les spectacles qui passent, et quand il vient pour le dossier des rames, après on va entendre certaines indiscrétions où l'argent aurait encore circulé pour qu'à la fin, bon, que le dossier soit vidé. Et il y a ce qu'on appelle aussi la diplomatie parlementaire. C'est ces trois piliers. Qu'est fait notre Parlement aujourd'hui? Le Parlement aujourd'hui est devenu une caisse de résonance. Quand Jean-Marc Kabound l'a dit, il ne sort pas ses propos en l'air. Il vient d'être à deux reprises vice-président de cette institution. Je parle de l'Assemblée nationale. Quand il l'a dit, on doit le prendre très au sérieux. Vous savez, moi j'ai appris une chose. J'ai appris que lorsque un témoignage sort de la bouche de quelqu'un qui a été au fait d'une chose qui a été au fait d'une manœuvre, nous devons d'abord le prendre très au sérieux avant de le botter comme ça en touche. Il faut d'abord analyser ses propos, les confronter avec les éléments en présence et là, à la fin, arriver à certaines conclusions. Quand Jacques-Marc Kabound aujourd'hui se présente comme irrépenti, je suis en droit de croire, sur base de plusieurs éléments, que ce qu'il a dit est vrai. Nous, c'est vrai, je vais donner un seul élément qui peut valider mon argument. Le premier élément, c'est le fameux état de siège. Aucun pays au monde, depuis Adam et Ève, a un parlement qui peut voter sans discernement l'état de siège pendant plus de 15 mois, alors que l'on sait la durée est de 15 jours. Tout le monde se plaint, tout le monde, dit que l'état de siège c'est un fiasco. Les gens sur le terrain se plaignent. Il y a un rapport parlementaire qui parle même de détournement.
un rapport qui parle de détournement de l'argent lié à l'état de siège. Il y a tous ces différents éléments. Mais comme c'est la volonté du chef, mais qui a le Parlement dans sa poche, qui va oser prendre une décision discordante? Qui va oser ramer dans le sens contraire? C'est ça le Parlement que nous avons aujourd'hui. Maintenant, il faut récompenser les gens qui font leur travail. On va les récompenser de quelle manière? Pour les récompenser, il faut leur donner d'abord régulièrement leur salaire, mais il faut trouver un mécanisme pour ceux qu'ils appellent les invisibles. Vous savez, quand le président Bosso, à peine élu, non, c'était après la déchéance d'Ibiro Mabunda, le président Bosso annonce la somme de 5 tonnes, l'audio a circulé, 5 tonnes, mais c'est Perron, on parle de 5 millions de dollars pour les députés. Les gens devaient déjà comprendre que c'est mal parti. C'est des gens comme vous, M. Perrault, comme tant d'autres. Excusez-moi, cette petite pique. Allô? Je suis là, je vous écoute. Ok. Il y a certaines personnes qui n'étaient même pas effrayées de savoir que 5 millions de dollars peuvent venir de la Banque centrale pour des députés, mais pas du FCC, pour ceux qui ont traversé, pour ceux qui étaient fidèles au camp de la machine Union Sacrée, pour corrompre, c'est ça les mots, n'ayons pas peur des mots, acheter des consciences. Mais là, après ce genre d'épisode, quand on sait qu'à chaque fois pour voter certaines dispositions au niveau du Parlement, l'argent circule, n'ayons pas peur de le dire parce que les indiscrétions sont là sur la place publique. Il y a des audios, il y a des dénonciations, il y a des choses. Quand les députés Adonis de l'ECD va révéler au monde qu'il a découvert que les députés de l'Union Sacrée toucheraient 1000 dollars des frais de carburant. Attendez, est-ce que vous comprenez d'abord la logique d'une telle affaire? Nous sommes en train de parler d'une institution de la République. Lorsque nous disons que la République est privatisée par l'Union Sacrée, qui peut encore, qui peut encore mettre en doute ce que nous avons toujours dit? La République est privatisée. Pourquoi? Parce que les députés de l'Union Sacrée, dans une institution de la République, peuvent avoir un traitement non plus de la République, mais un traitement de l'Union Sacrée. C'est qu'il y a confusion entre l'État et l'Union Sacrée. Il y a confusion dans les chefs, du moins de ceux qui dirigent cette institution. Et il y a plusieurs autres révélations faites par vous. Vous nous avez évoqué la rémunération de 200 000 dollars. Vous avez évoqué l'argent que le Premier ministre verserait, 500 000 dollars qu'il verserait au professeur Mbata. Vous l'avez évoqué pour dire que c'était pour soigner aux oignons les députés, afin d'éviter des motions, entre guillemets, qu'on appellerait motions alimentaires. Vous l'avez dénoncé, M. Perrault. Vous avez dénoncé aussi qu'il y a des députés de la dynamique Mbosso. Ils existent. Et que ces députés-là, ils existeraient selon votre dénonciation, et que ces députés-là toucheraient 5 000 dollars de plus par rapport à leur traitement. Donc il ne faudrait pas maintenant que les députés se moquent du côté congolais. Non, mais vous-même, Patrice Tamba, selon vos informations, parce que là, bon, évidemment, ici, je ne fais que mon travail, je suis présentateur. Vous, au-delà des spéculations, pour vous, un député congolais à l'heure où nous parlons touche combien? C'est ça la question qui taraude l'opinion en ce moment ici. Non mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Les salaires des députés le débat n'est pas sur les salaires. Il ne faut pas que c'est moi qui peuple congolais. Il y a des gens qui nous présentent des fiches de paie de 14 millions. Parce que j'ai vu des fiches de paie. Ils parlent de 14 millions, certains parlent de 16 000 dollars, certains parlent... Mais vous-même, vous politique introduit, vous pensez qu'ils touchent combien, vous, Papi Tamba? Mais les salaires sont connus parce qu'on sait les tracer. Mais ceux qui touchent, ce sont des invisibles, M. Perrault. Et cela dépend des influences des députés. Quand on dit invisible, comment pourrions-nous... savoir sans que les acteurs et même puissent les dénoncer. Puisque les invisibles, quand les gens touchent des invisibles, ça veut dire quoi? C'est normal que les acteurs ne se mettent pas de plus.
C'est à la tête du député, selon votre influence. Non, mais papi, parlons des invisibles. Comment vous savez faire du bruit? Parlons des invisibles. Mais les invisibles, c'est vous, FCC, qui l'avez introduit. Vous avez suivi les procès 100 jours. Vital a dit que c'est lui qui a introduit ces invisibles. Vital nous a dit qu'il a multiplié fois 3 les salaires des députés. Et il s'est justifié, il a notamment évoqué la manne financière qu'on lui envoyait dans le cadre des fonds de fonctionnement. Et il a dit qu'il a introduit une rubrique qui s'appelle Invisible. À cette époque-là, Tshisekedi n'est pas au pouvoir. C'est Kabila, c'est vous qui avez introduit cette ligne de corruption au niveau de la Chambre basse du Parlement, non? Je crois que vous devriez poser la question au président Kamere pour qu'il vous explique son concept quand il était président de l'Assemblée nationale. Il était président de l'Assemblée nationale sous Kabila. Sous Kabila, ce n'était pas Tshisekedi. Non, j'ai dit que c'est à lui de donner les contenus de ce que lui appelle invisible au niveau de l'Assemblée nationale. Mais pour nous, je vais beaucoup plus parler de l'époque Minaku. L'époque Minaku, il a quand même fait 7 ans. Je vais parler de l'époque Kouchap. Et je vais parler aussi de l'époque Kamer. C'est-à-dire, on a créé des avantages, et ça existe jusqu'à aujourd'hui. Ces avantages-là, c'est ce que lui appelle invisible, mais ce n'est pas des sommes qui étaient méconnues du grand public, c'était des sommes traçables. Alors peut-être que lui-même sait pourquoi il a expliqué ça en termes invisibles, c'est pourquoi il dit qu'il faut parler avec lui. Mais avec le président Kabila, il est impossible, en tant que président de la République, qu'il puisse cautionner des choses invisibles, c'est-à-dire des sommes qui sortent et qui ne sont pas traçables. Ça, ce n'est pas concevable dans son chef. Et d'ailleurs, tout le monde l'appelle prophète aujourd'hui. Il a géré les pays. Il avait dit que si les choses seront faites de la manière que nous observons les choses aujourd'hui, et il était clair pour dire que non, voilà, ces gens vont coûter pour la RIC. Rappelez-vous que c'était à l'époque du président Kabila. Vous devez vous rappeler qu'il a rejeté un projet de loi des députés pour les éléments. Et il pensait que cela puisse passer une deuxième lecture. Les députés même étaient mécontents. Nous ne devons pas être amnésiques. Donc vous poserez la question. Vous savez, quand le président Kamere arrive à la présidence en tant que directeur de cabinet, on avait déjà commencé à dénoncer cette histoire de l'augmentation des salaires multipliés fois 3. Sauf que les amis qui sont à la présidence avaient nié à l'époque. Vous savez, nous n'accédons pas dans cette enceinte des palais de la nation, nous ne pouvons pas avoir les informations précises pour avoir tous les éléments. Quand les gens nient, on va se contenter de ça. Mais lorsqu'il va sortir ses propos en plein procès, comment voudriez-vous qu'on puisse encore l'attaquer? Vous avez vu comment il était en difficulté, les pauvres. On voit un directeur des cabinets dans la tenue qui était la leur, qui aujourd'hui est innocenté. Ça veut dire que c'était un innocent à l'époque qui parlait, qui était maltraité de cette manière-là, juridiquement parlant. Donc, ce n'était pas possible de tirer sur quelqu'un qui était dans ce... On est humain après tout. Voilà. Parlons justement de cette affaire qui fait toller aujourd'hui l'affaire des... Pour vous, Papi Tamba, on critique, on fait la polémique. Je voudrais qu'on aille maintenant dans les propositions. Quelle serait la bonne rémunération pour un député? Je voudrais vraiment que vous alliez... que vous soyez un peu plus clair en nous donnant des chiffres. Pour vous, la meilleure rémunération pour un député, c'est combien? Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, qu'est-ce que nous devons faire pour finalement avoir la réduction des trains de vie des institutions? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, sur notre budget, 70% vont à la paye, mais aussi et surtout au fonctionnement des institutions. Et ça, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui l'a instauré. C'est une situation qu'il a héritée des 18 ans de Kabila. Kabila, en son temps, n'a pas non plus réussi à nous amener la réduction des traits des institutions de là. Qu'est-ce que nous devons faire? Répondez-moi sur la fourchette de rémunération que vous souhaitez donner à un député et sur ce que nous devons faire pour réduire le train de vie des institutions. Je vais commencer par relever un fait. Vous venez vous-même de vous contredire parce que vous parlez de l'augmentation de la rémunération des conseillers à la présidence de la République multipliée par 3 sous Kamere. Ce n'était pas sous Kabila. Donc c'est une façon de dire qu'il n'a pas hérité cette situation. Je saute. Ça, c'était juste pour essayer de remettre un peu les choses à l'ordre. Maintenant, vous parlez de la rémunération des députés. Moi, en ce qui me concerne, je serais favorable que nous puissions emprunter les vieilles méthodes connues des pays occidentaux. Vous êtes un député, ça doit être clairement tracé que vous avez une permanence qui est payée par l'Assemblée nationale. Vous avez un nombre limité de ce qu'on appelle les personnels d'appoint ou les personnels administratifs de votre permanence
payé par l'Assemblée nationale. Et après, vous avez vos émoluments à côté. Parce que chez nos députés, à nous, lorsque vous devez dire que voilà, on vous donne une certaine somme, cette somme-là doit couvrir toutes ces différentes dépenses, ce sont les proches des députés qui sont les premiers à pleurer. Ils n'ont pas de permanence, pour la plupart. Et deuxièmement, ils n'ont pas aussi d'agents qui travaillent pour eux, qui rémunèrent. Alors, pour éviter tout cela, il faut d'abord qu'on puisse aller vers la transparence. La transparence, c'est de prendre les différents personnels affectés pour les députés, c'est-à-dire pour les travaux, que ça soit rémunéré par l'Assemblée nationale. Que les permanents soient, on essaie de donner une certaine fourchette, et que les permanents soient payés par l'Assemblée nationale. Ça va déjà faciliter les choses, ça va justifier maintenant la réduction des émoluments des députés. Mais vous savez, il y a quelque chose qui a été dit ici. Il n'y a pas ici, mais qui fait un peu l'actualité. On nous parle des 63 000 dollars qu'auraient percé les députés pour les vacances parlementaires afin d'aller entretenir les bases. Ça, je confirme, mais les députés ont l'ont confirmé. Voilà. À l'appui de cela, il y a un audio qui circule du président de la République qui en a parlé sur, dans son discours sur l'État et la Nation, et un discours applaudi par les députés. Mais ma foi, M. Perrault, voyez la recrudescence des valeurs. Tant que les Congolais ne vont pas comprendre que les députés ne sont pas là pour les entretenir individuellement, mais que les députés sont là pour plaider leur cause devant ces chambres qu'on appelle les parlements, les Congolais ne feront pas la promotion des idées. Ils ne feront pas la promotion du patriotisme. On continuera à vivre avec une assemblée qui aura comme membres des gens qui sont les bons donateurs. Je suis quand même choqué et sidéré de voir que jusqu'au sommet de l'État, quand je parle du sommet de l'État, je ne parle pas que du chef de l'État, je parle aussi de la Chambre, c'est-à-dire c'était un discours au Congrès, donc il y avait tous les parlements réunis, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui applaudissaient. Vous savez, moi j'ai été candidat, je ne vais pas revenir sur ça. J'ai été candidat député. Bon, les choses se sont passées, telles qu'elles sont passées, je ne vais pas revenir sur ça. Mais je me suis toujours dit que si j'avais cette chance-là, ou si un jour j'ai cette chance-là, d'arpenter mes pas dans l'Assemblée nationale, je pense que je serais considéré comme étant un élément isolé. Parce qu'il y a beaucoup de choses à changer. J'ai la chance, M. Perrault, d'être parti en Europe depuis l'âge de 23 ans. Dans ma conception des choses, j'essaye un peu de voir un peu ce que je vis ailleurs et ce qui a marché ailleurs pour voir comment nous pourrions faire pour notre pays. Non, mais ça ne veut rien dire. Félix, qui est président de la République aujourd'hui, a grandi et a vécu en Belgique. Hein? Vivre en Europe. J'ai singularisé mon langage. J'ai parlé de moi. Ouais. Je ne suis pas comptable. Je ne suis pas comptable des actions. Non, de tous les si vivre en Europe est un élément sur lequel on doit se baser pour vous faire confiance, je vous opposerai immédiatement, Félix Tshisekedi. Non, moi, je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Je parle de ce que cela a apporté comme émulation dans ma façon de faire, dans ma façon de voir les choses. Et toute proportion gardée, j'essaye tant soit peu d'appliquer les peu de choses que j'ai apprises là-bas, mais je ne veux pas dire que tout est meilleur là-bas. Donc même, vous savez, M. Perrault, je veux aujourd'hui le dire publiquement, moi j'ai été administrateur, par exemple, à la sécurité de Kulungongo pendant 3 ans. Quand nous arrivons à la sécurité de Kulungongo, j'aime pas trop parler de ça, mais puisque vous me posez la question, c'est quand même important que je puisse donner au moins un exemple pour montrer un peu ma conception. Vous savez que cette société, qui est une société d'économie mixte, la sécurité de Kulungongo, quand j'arrive là-bas, l'État congolais avait une dette de 4 millions de dollars vis-à-vis des financiers, c'est-à-dire la partie belge de la sécurité de Kulungongo, depuis 1979. Quand nous arrivons de 1979, 40 ans plus tard, j'ai dit que 40 ans plus tard, l'État congolais n'avait versé que 2 millions. Pourquoi?
selon les accords qui étaient pris lorsque cette dette était négociée sous Mobutu, c'est que les dividendes que chaque parti devait prendre pour chaque exercice, l'État congolais devait prendre 50% de ces dividendes-là, les reverser dans le paiement de la dette. Et je me suis dit, Perrault, si aujourd'hui, c'est quand nous sommes arrivés, la première question que je me suis posée, avec d'autres amis, comme nous en avons parlé, nous étions quatre, comment peut-on expliquer, parce que, en 40 ans, si nous parlons d'une dette de 4 millions, en 40 ans, calculé très facilement, vous allez voir que l'État devait payer même moins de 100 000 dollars par an chaque exercice, alors qu'il y avait tout le temps des bénéfices. Mais on a remarqué une chose, en arrangement, c'est-à-dire en accord avec les administrateurs qui ont été là-bas quelquefois, la société créait beaucoup plus de comptes de réserve pour éviter qu'il puisse y avoir des sommes importantes, des dividendes, en fait, c'est-à-dire pour faire des gros bénéfices, avoir des dividendes plus importantes, mais ça arrangeait la partie belge. Ça arrangeait la partie belge parce qu'on connaît la logique. Celui qui vous doit, vous est soumis. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? En 2 ans, nous avons épongé cette dette. On est allé voir Madame le ministre portefeuille. On a expliqué la situation. On a dit aujourd'hui, pour éviter ce qui se passe au niveau de la séquelle Koulougon, je ne suis pas là pour essayer de déballer un certain nombre de choses, mais pour éviter cela, il faut d'abord que l'État congolais puisse éponger sa dette. Je suis ici, c'est dans un espace public, je ne vais pas aller au-delà, mais il faut savoir qu'il y a eu quand même quelques tractations, quelques consultations, quelques contacts où on voulait nous proposer pour aller dans le sens contraire. Mais je ne peux pas aller en détail plutôt. Donc ça veut dire que voilà, les changements sont possibles. On peut changer les choses. Mais M. Perrault, je vous donne un exemple précis. Et un jour, vous êtes journaliste, faites un tour à la sécurité de Kulumongo pour demander peut-être à certaines personnes qui peuvent avoir le courage de témoigner dans l'anonymat ce qu'a été notre passage au sein de cette société. Je ne vais pas me vanter, mais j'étais parmi les administrateurs congolais, ceux-là, j'étais vraiment parmi, je veux dire que j'étais, parce qu'on n'était que quatre, j'étais celui-là qui était vraiment en première ligne. Parce qu'on ne peut pas concevoir certaines choses, M. Perrault. On ne peut pas les concevoir. Ce n'est pas possible de continuer à vivre dans un pays où on apprend les détournements des sommes faramineuses. Vous venez encore d'évoquer un autre dossier, faut-il encore que cela se vérifie, où on nous parle encore de 87 millions de dollars, des détournements qui se chiffrent en millions de dollars, mais aujourd'hui, la population commence à manger, et plutôt à acheter une cuillère de riz préparé, bon. Où on met des mafoutes à 100 francs. De toutes les façons, Papi Tamba, Kabila n'a pas laissé mieux. Hein? Kabila n'a pas laissé mieux. C'est des situations. Mais non, attendez. Kabila n'a pas laissé mieux. N'allons pas très loin, mais c'est pour aujourd'hui, on peut quand même dire que sous Félix Tshisekedi, le budget a été multiplié fois 3 ou fois 2. Donc, les services d'assiette ont énormément d'argent. La DGI peut avoir des milliards. Hein? Les réserves d'échange sont à 4 milliards de dollars. Kabila n'a pas laissé ça, Papi Tamba. Je sais que vous ne croyez pas ce que vous dites. Ça, je le sais. Mais je vais vous donner juste un indicateur. Juste un seul. À l'époque du président Kabila, vous achetez un pain. Vous êtes devant les mamans qui vendent les pains devant Pain Victoire, hein, vers le rond-point Ouléry là-bas. Vous achetez un pain et on vous offre les matekas. Aujourd'hui, les pains sont pris, qui a déjà galopé, et les matekas maintenant sont pris. C'est un petit indicateur pour vous dire qu'il ne faut pas dire que c'était pareil à l'époque de Kabila. Pas du tout. Aujourd'hui, on parle de l'augmentation des recettes. Mais l'augmentation des recettes, c'est l'aboutissement d'une politique. La politique, c'est quoi? C'est notamment les réformes qui ont été faites sous le président Kabila, avec le nouveau code minier, avec la loi sur les sous-traitances, avec le code forestier, le code des investissements, et la liste est très longue. Mais nos amis aujourd'hui, qui sont les bénéficiaires, c'est des gens que moi j'appelle des pouvoirs héritiers. Et créent quoi? Voilà. Prenons l'hypothèse, le président Fati quitte les pouvoirs en janvier 2024, selon la Constitution. Son prédécesseur arrive, il s'appelle Perrault Louard.
vous allez bénéficier de quoi de ces régimes? Quelles sont les réformes en termes de mobilisation des recettes qu'ils ont créées? Alors, il faut qu'aujourd'hui, en tant que pouvoir héritier, qu'on puisse d'abord se montrer ingrat devant les gens qui ont mis à votre disposition des instruments, mais que vous puissiez aussi vous en jouer avec des récupérations qui deviennent malsaines. Regardez le projet de l'Embaïmbo. Avec, on va inaugurer un projet dans la précipitation, comme si le lendemain, il y aura de l'eau. Ce projet a commencé depuis 2017, on connaît l'historique de ces projets. Revoyez dans les dossiers des 100 jours, ils n'ont pas de l'eau potable, où est parti cet argent? Le projet a pris du retard depuis leur arrivée. Si le président Kabila était toujours là, ça fait 2 ans, 3 ans que le projet serait inauguré. Mais aujourd'hui, ils inaugurent un projet qui n'est pas encore fini. Quand on inaugure une usine de traitement d'eau, ce n'est pas pour la consommation publique, c'est pour que le lendemain, les consommateurs ouvrent son robinet et voient de l'eau. Et il n'y en a pas jusqu'aujourd'hui. Allez vous renseigner, cette eau-là n'est pas encore prête aussi de sortir dans les robinets. Mais on dit qu'ils ont inauguré. Mais ils ont inauguré quoi? Ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont inauguré quoi? Ce qu'ils ont hérité. Mais partout au monde, lorsqu'on inaugure ce qu'on a hérité, on essaie quand même de présenter l'historique du projet. On essaie quand même d'expliquer comment le projet a commencé. On ne se présente pas comme la personne qui a fait que le projet soit là. Lorsque vous êtes un gouvernement sérieux, vous allez inaugurer certains projets parce que vous avez commencé, mais vous allez aussi inaugurer certains projets parce que les autres ont commencé avant vous. Et vous laisserez aussi certains chantiers que d'autres personnes viendront inaugurer après vous. Sauf que aujourd'hui, avec l'actuel régime, on inaugure les projets qui n'ont pas commencé, mais il n'y a pas de projets qu'ils ont commencé qu'on inaugure. Il n'y en a pas, et il n'y en aura pas après eux. Mais ils se vantent de mobiliser les recettes, alors qu'ils n'ont engagé aucune réforme. Aucune. Vous savez, parlant des recettes, nous savons tous que les grands pourvoyeurs en devise dans notre pays, ou les grands pourvoyeurs dans la mobilisation des recettes sont des miniers, qui viennent après, mais aussi dire des milliers en termes de volume. Parce qu'on peut parler de Perenco. Mais Perenco, c'est la société pétrolière, elle est seule. Même les miniers, ils sont plusieurs. S'il faut maintenant mobiliser et plutôt regarder les miniers, vous allez voir qu'il y a 3 grands groupes qui commencent aujourd'hui, qui sont entrés dans la phase d'exploitation depuis 1 an. Ils étaient là depuis très longtemps, mais ils étaient à la phase des recherches. Donc, en étant dans la phase des recherches, ils ne pouvaient pas contribuer dans la caisse de l'État. C'est aujourd'hui qu'ils commencent à contribuer. Et les recettes aujourd'hui portent des fruits. Pourquoi? Parce qu'on sait voir l'argent. L'argent est là. Mais pour quelle affectation? Il y a quelqu'un qui m'a amusé dans un groupe WhatsApp, un des communicateurs du régime, qui nous dit que voilà, on débloque 87 millions de dollars comme premier palier pour financer les projets sur les 145 territoires. Voilà comment on affecte mal les fonds de la République. J'ai seulement posé la question à cette personne. 87 millions, vous les trouvez, ok, vous les mobilisez. 645 territoires, ça veut dire que c'est 627 000 dollars par territoire. On va essayer de retrouver Papy Tamba. Je rappelle. Allô? Oui, monsieur Papillon. Vous dites sur les 87 millions, c'est 640 000 dollars par territoire. C'est 627 000 dollars par territoire. Un kilomètre de route revient à 1 million de dollars. C'est-à-dire qu'ils vont construire des demi-kilomètres de route pour atteindre le deuxième palier. On ne peut pas jouer avec l'argent de la République de cette manière. Il y a toujours des projets pilotes. On ne peut pas parler d'un développement qui va booster les 145 territoires directement. Non. Il y a des territoires qui ont plus de besoins. Ça, c'est l'économie politique. Dans le cas de la répartition des richesses. Il y a des gens qui ont besoin de plus d'argent et des gens qui ont besoin de moins d'argent. Pour créer l'équilibre au pays, il faut avoir une bonne vision. D'abord, cette politique des 145 territoires est née. Une fois qu'ils sont au pouvoir, parce qu'ils n'ont jamais fait mention de ça, ni dans leur discours, ni dans leur projet de campagne, ni dans leur discours d'investiture, ni dans les différents projets qu'ils ont présentés devant la nation. Allô?
Oui, donc c'est né comme ça en l'air. On va peut-être terminer, Papi Tamba. Je voulais qu'on parle des élections, mais je me rends compte qu'on est déjà à la 50e minute. Cette question en une minute des nouveaux mandataires qui ont été nommés, j'ai vu sur les réseaux sociaux que plus de 50% de ceux qui ont été nommés ont été sont du Kassai, des grands Kassai. Et puis on voit des nominations liées notamment à des copineries et à la famille. On évoque notamment la fille des puces Mwabilou, Christelle Mwabilou. Est-ce que vous pensez que le régime dans ces nominations est aussi, tribal? Est-ce que vous sentez le tribalisme monter? Et qu'est-ce que vous dites des dernières nominations, en une minute, des mandataires que le chef de l'État a nommé récemment? Il y a eu 24 nominations, et si les 24 et 17 sont de l'espace du Grand Kassai? Monsieur Perrault, ça c'est vérifié. Ça, vous l'avez vérifié. Si, mais bien sûr. Vous me connaissez un tout petit peu, monsieur Perrault. Moi, je ne joue pas à l'aventure. J'aime toujours vérifier les choses pour qu'elles n'aient pas été contredites aussi facilement. Alors, maintenant, la question que nous devons nous poser est tribaliste ou qui sera tribaliste? C'est lui qui va dénoncer une telle mascarade ou c'est celui qui a posé un tel acte? Non, dans l'esprit des talibans ou dans les esprits de nos amis des talibans, quand nous les dénonçons, c'est nous qui serons traités de tribalistes. Donc sur les 24 mandataires nommés par Tshisekedi, 17 sont issus du Grand Kassai. 17 sont de l'espace du Grand Kassai. C'est ça qu'on appelle par l'inversion des valeurs. Lorsque la norme devient, la norme n'est plus conforme, et ce qui est conforme devient, ce qui n'est pas conforme devient la norme, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que nous vivons dans un pays où on insiste, non pas seulement dans les nominations, mais même dans la conduite des affaires de l'État, on insiste pour qu'on puisse respecter l'équilibre géopolitique. On insiste parce que nous sommes un pays qui a 400 tribus et nous connaissons un peu les différentes divisions qu'on a enregistrées par le passé dans notre pays. Nous devons toujours aller dans un sursaut vers l'unité nationale. Mais ça ne favorise pas l'unité nationale. Vous savez, M. Perrault, c'est depuis le Moyen-Âge que Ernest Renan nous a dit que l'élément déterminant d'une nation, c'est le vouloir vivre collectif. Le vouloir vivre collectif, c'est dans des gestes et des actes qui sont posés par des gouvernants. Les gouvernants doivent donner envie aux Congolais d'être ensemble. Or, dans ces différentes décisions de la kassaïnisation des institutions de la pays démocratique du Congo, on sent l'exclusion de plusieurs tribus, de plusieurs provinces, et ça ne renforce pas le vouloir vivre collectif. C'est bien dommage. Allez, un mot sur les élections. La feuille de route a été publiée, c'est pas encore le calendrier. On nous dit que l'enrôlement doit commencer à partir du mois de décembre. On a passé les marchés avec Miro System pour avoir les kits électoraux. Vous y croyez? Vous pensez qu'il y aura élection l'année prochaine? Non, vous savez, Denis Kadimakazan, il doit arrêter. Il doit un peu arrêter avec ses aventures. Ce qu'on lui demande, ce n'est pas une feuille de route. Ce qu'on lui demande, c'est un calendrier. Un calendrier électoral, normalement, doit être publié 18 mois avant les élections. 18 mois. Parce que ça incorpore les opérations avant les élections, pendant les élections et même quelques opérations après les élections. Vous savez, M. Perrault, je suis en train d'enregistrer cette émission avec vous le 5 septembre 2022. Ils sont en train de dire qu'ils vont respecter les délais. Ça voudrait dire que le corps électoral doit être convoqué plus tard le 23 septembre 2023. C'est dans presque un an. Un an, M. Perrault, c'est 365 jours. Ce n'est pas une éternité. Mais ce que Denis Kadima veut nous faire croire, qu'il va nous publier un calendrier, après peut-être l'enrôlement du mois de décembre, c'est-à-dire il y aura maintenant moins de 200 jours avant les élections. Qui va nous publier un calendrier? De qui se moque-t-il? Vraiment, de qui se moque-t-il? L'ONU a mené l'enquête, mais c'est Denis Kadima, et plus savant que tout le monde, même que l'ONU, parce que même des experts de l'ONU sont arrivés à une conclusion que les élections sont hypothétiques pour l'année prochaine. Je sais que la MONUSCO va présenter un rapport au mois de décembre au Conseil de sécurité pour que les élections en République démocratique du Congo soient titrées de l'ONU. Moi, je soutiens cette démarche-là pour éviter un certain nombre de choses. Et Denis Kadima doit seulement être exclu de ces processus
avec sa CENI non consensuelle. Donc, il nous faudra un nouveau président de la CENI. Mais la question majeure qui va se poser, c'est le sort du président de la République. C'est la question que j'allais vous poser. S'il n'y a pas élection en 2023, on fait comment? Mais évidemment, il y a une jurisprudence. Kabila n'a pas organisé les élections en 2016. Il est resté. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Félix va rester jusqu'à l'installation. Jusqu'à l'installation du nouveau président. Je suis très à l'aise pour répondre à cette question. La première chose, en 2016, c'est que les glissements étaient liés aux conditions d'ordre technique. C'est-à-dire, quand les M23 ont emporté le matériel de la CENI, quand ils ont occupé Goma, ils ont fabriqué plus de 450 000 fausses cartes d'électeurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport au fichier de 2011, il était clairement démontré qu'il y avait deux cartes d'électeurs en circulation. Les hommes politiques, avant de se réunir, les pouvoirs ou les gouvernements à l'époque avaient saisi la Cour constitutionnelle par rapport à ces problèmes. C'est là que la Cour constitutionnelle s'est prononcée pour permettre ce que nous avons appelé un glissement par rapport à des considérations d'ordre technique. Maintenant, pour matérialiser cela, la société civile, dont la CENCO était en première ligne, plus les acteurs politiques se sont réunis, ils ont évalué, ils ont fait le tour de la situation. Et ils ont vu que voilà, les choses peuvent se faire d'une certaine manière, comme cela s'est fait. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui dans la vie. Il ne faut comparer que les choses qui sont comparables. Aujourd'hui, il y a l'absence totale de volonté. Et l'ONI l'a aussi clairement dit dans son rapport confidentiel qui a été rendu public par Afrique Intelligence. Il n'y a pas de volonté d'organiser des élections. En droit administratif, vous êtes juriste, vous êtes encore juriste en formation, vous savez qu'il est clairement dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Le président Kabila ne s'est pas prévenu de sa propre turpitude parce qu'il n'y en a pas eu. C'était juste un problème d'ordre technique. Et au monde, les reports des élections existent et peut-être vont encore exister parce que plusieurs pays ont reporté les élections quand la technique les justifiait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la technique qui les justifie, c'est la politique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire des amis. Si en 2023, il n'y a pas élection, Papi Tamba, vous faites quoi? C'est pourquoi je suis en train de dire ceci, qu'il faut qu'on règle l'essor des présidents de la République. Vous nous proposez il quoi, vous? Il ne peut pas, lui. Lui, le président de la République, il ne peut pas se faire prévaloir de sa propre turpitude, je vous en ai parlé. C'est-à-dire? Donc la classe politique doit lever une option. L'option, c'est une transition sans Tshisekedi. Voilà. Et vous faites quoi de l'article 70 de la Constitution qui dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu? Il faut parler des dispositions combinées. Je vous ai dit, l'article existe, mais l'article ne peut pas être utilisé pour quelqu'un qui l'a préparé. Je suis en train de dire que nul ne peut se prévoir de sa propre turpitude. Nous sommes toujours dans les droits positifs. Je n'invente rien là. Allez, Papi Tamba, merci. Mais pour boucler la boucle, un mot quand même sur nos compatriotes de l'Est et de la République. Ça fait quoi, 3-4 mois que Bounagana est toujours occupé? J'ai comme l'impression que les Congolais, on n'en parle plus. Ça vous dérange, à vous? C'est pas qu'on n'en parle plus. Le problème, c'est quoi? C'est que les Congolais sont inventés. Tous. Fatigués de Paris. Ou de réveiller un pouvoir qui, lui, à la place de se préoccuper de cette situation, est beaucoup plus dans les fêtes. Les Congolais ont croisé les bras. Ils pleurent au fond d'eux. Allô? Vous dites quand même des choses. Les pouvoirs est préoccupé par les fêtes. Mais attendez, M. Perrault. Pourquoi devons-nous avoir peur des choses qui sont évidentes? Est-ce que c'est Papi Tamba aujourd'hui qui est en train de présenter dans les réseaux sociaux les images des fêtes? C'est pas Papi Tamba. Je ne suis pas en train de juger le contenu des fêtes, mais moi je crois que lorsqu'on est au pouvoir, si on a le droit de fêter, on a le droit aussi de montrer qu'on peut être solidaire envers sa population. Le président de la République est un humain, il a de la famille, il a besoin des repos, il a besoin d'un peu d'un... C'est un humain le président de la République, c'est pas un héros. Vous savez, il n'est jamais seul dans ces fêtes. Il n'est jamais seul. Moi, je n'ai pas du pouvoir. J'incrimine tous les pouvoirs.
parce qu'il n'est jamais seul. Je crois que il devrait quand même nous montrer, ne serait-ce que par pire respect vis-à-vis de nos militaires au front, il devrait nous montrer un autre visage. Toute fête ne doit pas forcément être médiatisée, M. Perrault. Il y a un musicien congolais, en l'occurrence, Koffi Olomide, je vais le citer, qui a chanté que Babé Teralisola Sapatouté et Sika Yabatouba Katana Lokolo. Nous sommes en 2013, M. Perrault, au fait du combat contre les M23. La petite sœur du président Kabila, c'est Marie. Les mariages, j'étais invité, c'était au Fleuve Congo Hotel. Sa petite sœur, c'est Marie, il a épousé un Américain. Des gens qui étaient dans cette fête-là peuvent s'en rappeler. Mais de l'autre côté, les M23, c'est fait. Président Kabila. Allô? Allô? Allô, moi je suis là. En 2013, le président Kabila ne s'est pas rendu à ce mariage-là. Il ne s'est pas rendu. Il est parti dans un sommet tripartite entre lui, le président Kagame, et le président Museveni. C'était le même jour. Pendant que lui parlait, il était en train d'échanger avec lui par rapport à la situation sur les M23. Il y a sa petite sœur, lui qui est responsable de la famille. Parce qu'il ne faut pas oublier que le fils est né, le papa est décédé. Il devait normalement être là, il a délégué son épouse. Ça, je parle d'un fait qui s'est déroulé sous mes yeux. Allô? Donc vous ne comprenez pas que l'actuel soit tout le temps dans des fêtes de mariage et même d'anniversaire? Je ne suis pas juge des sentiments des gens. Je ne suis pas juge des sentiments des gens, mais j'essaie seulement d'observer que Bounagana aujourd'hui ne sent pas la solidarité des autorités. Merci beaucoup. Comme aussi les militaires au front. Merci beaucoup, M. Papi Tamba. Une heure d'émission. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous avoir. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. C'est une première en téléphone. J'espère que ce n'est pas la dernière. Merci beaucoup, M. Perrault. Et puis, on séjourne chez vous là-bas. Faites très attention à vous. Et lutter comme nous. Et lutter avec nous pour les changements de ces régimes, pour que vous puissiez retourner au pays. Ah ben, je ne suis pas politicien, moi. Merci, Papi Tamba. Merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Madame, messieurs, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était donc Papi Tamba, cadre du PPRD. Avec lui, on est largement revenu sur de grandes questions d'actualité politique dans le pays. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.